Hello, je tiens à nous porter pour un bon dessert qui c'est cheesecake. Pour faire cheesecake, là, mes ingrédients qu'il y aura besoin. Vous êtes capable de screenshot là et puis vous êtes capable de voir les ingrédients. Voilà, c'est tous les ingrédients que nous avons utilisés pour nous faire cheesecake. Ok? Nous utilisons là, cream cheese, ça c'est pas margarine, c'est cream cheese que y a. Nous avons utilisé crème fraîche, fécule de maïs, œufs, sucre granulé, sucre en poudre. Bonbon Graham, nous pas gain Graham, nous utiliser bonbon craquignas. OK, là pour commencer, qu'est-ce ça nous fait? Nous défait cream cheese noir. OK, nous avons défait li en pommade, même genre, les nous avons défait yon margarine, guys, les nous avons fait gâteau. Nous avons défait li, nous avons bien battu en pommade. Avec un cuir en bois dans un bassin stainless. Nous finissons bien tourner. Comme chez nous là, en pommade. Mais avant tout, vous êtes capable de faire procédure ça, vous croisez bonbon gramme, non? Ensuite, vous mettez-les dans un récipient et puis vous fondez margarine, non? Vous mettez là-dedans avec sucre granulé et puis vous foncez moule ou en que vous mettez préparation, vous faites le mettre de côté. Ensuite, et puis vous continuez, ou après ça, vous battez comme chez ça, mais moi, nous faisons tous les deux à la fois parce que c'est plusieurs personnes qui travaillent, okay? Pour nous faire plus rapide. Là, nous fin, ça c'est comme cheese en fin là ça c'est sucre en poudre là sucre titato que n'a pas entré dans cream cheese là. Ou bien rentrer sucre là guys. Et nous assurer nos sucre là bien rentré. Même je ne tape pas un sucre granulé, mais puisque c'est un sucre en poudre, nous juste bien rentrer pour ne pas faire grumeau. Ok, nous pas de sucre en fait boule du tout. Et là, nous faisons faire procédure ça là, qu'on y a nous casser les œufs nous. Nous mettons dans un bol, dans un récipient. Nous mettons les œufs entiers. Ensuite, là, nous faisons casser les œufs. On va le parfumer avec des citrons que nous avons guys. La recette là des zestes citrons. Mais même puisque tout ça m'a fait qu'il y a des œufs, je vais parfumer pour ne pas prendre goût des œufs là-dedans, odeur des œufs. Je mets des zestes citrons et puis là, après, le goût et cheesecake moi en tout. Ok, ça c'est des citrons nous mettons guys pour nous parfumer. Ensuite, nous versons les œufs dans comme chez nous te gain tourner en pommade avec sucre en poudre noir sucre titato. Na so je m'te dit non, sucre granulé c'est dans bonbon nous mettel pour nous capable faire base cheesecake noir. Les n'a pas foncé moule que nous pas mettre préparation ça. Là nous versons crème fraîche noir quantité recette là mandé nous 2 ml, 2 tasses de crème fraîche. Là, nous avons utilisé 2 tasses. Donc, nous allons aller là, nous avons 2 tasses de crème fraîche. Nous versons la crème fraîche là dans la préparation que nous avons commencé à faire. Ça, c'est comme crème cheese là, ensemble avec les œufs, sucre en poudre. Et nous finissons de mettre comme fraîche là. Nous allons mettre fécule de maïs, hein, guys. Ça c'est maïzena. Nous, là, nous allons utiliser maïzena, nous utiliser fécule de maïs argot. Ok, max ça c'est argot.
Maïzena, c'est une autre marque fécule de maïs que les. Il suffit que vous ayez une fécule de maïs ou qu'à utiliser n'importe marque, n'importe l'autre fabricant. Quand y a la nouvelle fond margarine, nan, guys, pour nous capables rentrer dans le bonbon, hein. Ok, dans le craqueuse là. Et puis pour nous bien faire mélanger, pour nous aller enfoncer le moule que nous allons mettre comme cheese noir en cuite. Alors pour nous faire base comme cheese là. Ça c'est margarine noire là qui fond. Nous verser les dans bonbon. Comme dit nous déjà dans le commencement, vous devez faire procéder ça avant même ou battre comme cheese là. Vous devez travailler bonbon là et puis enfoncer moule là et puis vous préparer ou enfoncer moule là, mettre le de côté et ensuite vous faire préparation là, qui fait ensemble avec comme cheese et pour verser dans moule là. Mais nous faire à la fois parce que c'est plusieurs monde que j'en te dit non qu'a faire recette là. Nous avons plusieurs, mais là, nous faisons ces bonbons noirs, nous faisons mettre bonbons, sucre granulé et puis beurre fondu. Nous allons bien presser le moule. Là, là nous utilisons un moule et à fond mouvible, qui veut dire un moule qui a démoulé, qui a démonté, ou après détaché le bordure et puis ou retirer sec en bas avec tout comme cheese, avec tout cheesecake là, pardon, avec tout cheesecake là. Nous pas utiliser un moule qui pas ka de, qui pas ka sorti. C'est ça qui fait le moule mouvible. Là nous fait de préparation nous dans base que nous fin préparer guys. Et ensuite là nous fin vide là nous pas mettre les dans four. Nous va chauffer four nous à 180 degrés et puis nous pas mettre pour nous pas mettre cuite pendant 30 à 40 minutes. Ça va dépendre de la température four ou an, ok? Parce que il y a un four qui chauffe plus que l'autre. Mais là, nous allons mettre à 180 degrés et puis nous mettre le cuit pendant 30 minutes. Et puis, vous prenez tout en fait en préparation qui m'a des plus ingrédients. Tant que vous soit fait deux recettes, non, qui ont deux recettes cheesecake, là, m'a de plus que 30 minutes pour le cuit. Ça, c'est clair. Là, nous mettons les dans le four, guys, pendant la petite cuite pour 30 minutes. Nous mettons là à 180 degrés. Merci parce que vous toujours content pour regarder vidéo nous et ou même qui peut abonner avec channel là, abonner, quitter un like pour nous, un commentaire et puis n'importe où partager pour supporter nous. Et puis abonner, activer cloche notification pour capable pas rater l'autre recette. Merci parce que vous avez regardé la vidéo. Nous espérons que la plaît. Ciao. N'apprenons l'autre fois. Et puis, vous avez dit nous. L'offre recette là comme moi. Bye bye.